Hey, salut à tous les amis, c'est la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, ça va super, ça va extrêmement bien les amis. Écoutez, je suis un petit peu fatigué, je vais pas vous le cacher. J'ai fait énormément de choses ces derniers jours, énormément de travail, énormément de sorties, énormément de rencontres, etc. etc. Donc excusez-moi si je suis un peu moins punchy, mais je donne tout ce que j'ai, tu comprends. Et donc les amis, écoutez, on s'est laissé sur un gros suspense, donc j'ai dit oui, sauvegarder. Et donc voici ce que dit Cisa, trop petit pont. Voilà. Donc les amis, c'est parti, let's go. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce mystère? Qu'est-ce qui va se passer, vieux? Qu'est-ce qui va se passer? On sait pas, vieux. Ouh là là. Oh là là là. Ok, alors, fais péter. Où suis-je? Où je suis? Ah, j'hallucine! David, réveille-toi vite! Il nous fait un massage. Oh non! Non, c'est pas possible! David, rouvre les yeux, s'il te plaît, David! Ouh! Ouh! David, ouf, tu vas bien! Tu m'as fait peur! C'est ça? Mais je dormais, c'est... Non, je... On est où? Regarde! J'y crois pas. Oh, il est beau! Oh, il est beau, cet arbre de vie! Il est beau! Ça fait plaisir! Alors, attendez, je vais m'agrandir un petit peu cet écran pour mieux voir, moi, de mon côté. Oh, il est beau! Qu'est-ce que ce serait? Regarde ses yeux, il brille! L'arbre de vie! Ouais, je pense que c'est ça! Je l'ai toujours vu sec et tout mort! Donc je ne suis pas sûr, mais je crois bien! Je pense que c'est l'arbre de vie! L'arbre de vie! Il a retrouvé tout son éclat! C'est trop bien, non? Et toutes les couleurs, ça brille, c'est super joli! En fait, c'est un arbre débordant de vie! C'est pour ça qu'il a ce nom! L'arbre de vie, un arbre débordant de vie! Merci, Captain Oblivious! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'avoue, qu'est-ce que c'est? Ça approche! Oh non, mais arrête, c'est pas encore un boss, gros, je pète un câble. Viens de finir le jeu, attends, s'il te plaît. What the fuck? C'est Xerneas, gros, c'est Xerneas! Y'a un truc. Qui es-tu? Je me nomme Xerneas 40. Non, Xerneas tout court. Je suis l'avatar de l'arbre de vie. L'avatar? Oui! Vous êtes dans la forêt initiale. Comme vous pouvez le voir, l'arbre de vie a retrouvé toute sa vitalité. Tout cela, c'est grâce à vous. Et la matière noire alors? Elle a disparu. La haine ne s'est pas répandue sur le monde. Elle a laissé place à la sérénité. Elle s'est foutue. Elle s'est fondue dans la lumière. Quant à la collision entre nos planètes et le soleil, elle a été évitée. Mais alors? Oui! Grâce à vous, le monde est sauf. Je vous remercie de tout que du fond du cœur. David! C'est ça! Oui, on a réussi! Là 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 là! On a sauvé le monde! Au calme les gars! Qu'est-ce que t'as fait hier, Cisa? Oh, j'ai sauvé le monde, Dieu! Et toi, oh, j'ai sauvé le monde aussi! Cisa, David, attention! Oh non, arrête! Badaboum! Ah, ok! Oh, Jirachi! Oui, oui! Oh, Jirachi! Salami! Franchement, toi alors! Tu n'avais pas besoin de te précipiter comme ça! Jirachi, salami! Je voulais juste serrer Cisa fort dans mes bras! Mais il se peut que j'ai mal calculé ma vitesse de chute. Enfin, peu importe. Bravo tous les deux, vous avez réussi. Vous êtes formidables. Vous êtes parvenus à vaincre la matière noire, vous m'épatez. Merci Jirachi Celebi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Arceus nous a prévenus. Arceus? Oui. Il a envoyé un message à tous les Pokémon du monde. Il nous a fait savoir que notre planète était sauvée. Les ténèbres qui planaient sur notre monde ont elles aussi disparu. Le soleil est à nouveau à une distance adéquate, bref, tout le monde est content. C'est la maison du content. Vraiment! Oui, c'est pour ça que j'étais fou de joie et que je tenais à vous prendre dans mes bras. Eh bien, pourquoi tu veux pas? Parce que tu en fais trop, comme d'habitude! Elle n'a pas envie d'être découverte de bleu! Tu as vu comme tu lui fonces dessus! C'est ça le souci? Oui, tant mieux si tu es content, mais je n'ai pas trop envie de me faire culbuter! What the fuck? What the fuck? Tiens, eh ben! Eh bien, ça alors, je courais vers Cisa pour le serrer très fort dans mes petits bras musclés. Mais elle a disparu. Où peut-elle bien être? Fafafaramp. Ah, David! Ça alors, David aussi, lui a disparu. Il est derrière vous, Faramp. Psystigri! David, bravo! Ça n'a pas dû être obligatoire de vaincre la matière noire, mais vous avez réussi à sauver le monde. Vous êtes fantastique, mes petits. En fait, Cisa, et Cisa? Où est-elle passée? Là. Eh bien, pourquoi elle est par terre? Elle a un souci. Vous l'avez envoyé valser dans le décor tout à l'heure. Vraiment, j'ai fait ça? Vous êtes vraiment myope comme un rototop, patron. Et comme vous foncez partout à toute allure, ça n'aide pas.
Si ça, je suis tellement désolé, pas de bobo. Non, ça va. Je me sentais plus en sécurité par terre, alors je suis resté un peu seul pour récupérer. Content de te voir, Pharaon. Oh, toi alors, tu as été formidable, Sisa. Va que la matière noire, ce n'est pas rien, les enfants. Eh, merci, Pharaon. C'est agréable de recevoir des compliments comme ça. Continue, dis-nous à quel point on a été super. Et donc, tu n'oublies pas quelque chose? Nous avons tous uni nos forces. Grâce à ça, on a réussi à stopper l'ascension de l'arbre de vie. Ouais, je sais bien. Si Abed a pu être sauvé, c'est pas parce que le monde entier a uni ses forces, c'est parce que le monde... Justement. On peut bien tout se faire mousser un peu. Profitons-en. On a réussi, on a sauvé le monde, trop fort. On est tous trop forts. Allez David, toi aussi, fais-toi mousser. Hein, moi? Ah, je crois que ce n'est pas trop le genre de monde, notre ami David. Oh là là là, Sisa et son petit air satisfait, c'est terrible. Mais tout de même, quel soulagement. Je suis tellement content de vous revoir vivants, tous les deux. C'est gris. Bip. Oh, la gadget d'explorateur. Chacun sans son gadget. Allô? Vous m'entendez? Deden? C'est Deden! Sisa, tout le monde va bien. David est avec toi. Oui, il est là. Nous sommes tous dans la forêt initiale. Ah, patron! Lui-même, Jirachi également avec nous, nous sommes tous sains et saufs. C'est les biens sont mal. Mais attendez, Den. Si tu nous appelles, ça veut dire que... Oui, je ne suis plus pétrifié. Nous sommes tous revenus à la normale. Miss Dibul, Sapero et Monsieur Bouillet aussi. Et j'ai une nouvelle Dark Captive depuis le monde des révélations. Et j'ai aussi Sucre Girl aussi. Elle se gavait de pommes parfaites. Tout le monde va bien. C'est grâce à vous, Sisa et David. Merci du fond du cœur. Je suis tellement contente. Tellement. J'ai eu si peur. Deden, tout ira bien, ne vous en faites pas pour nous. Partez d'ici, on compte sur vous. Je m'en suis tellement voulu de ne pas pouvoir réussir à la sauver. Vous savez, ne dis pas de sottises. C'est grâce à tous vos efforts, à toi et à Sisa, que tout s'est arrangé. C'est grâce à vous si je peux te parler. Patron, nous allons rentrer de notre côté. Bien noté. Nous fêterons tout cela de rechef. De rechef. Je sais pas ce que ça veut dire, donc dites-moi en commentaire, soit c'est une faute d'orthographe, soit c'est ça. Une fois que nous serons tous rentrés au bercail. Bien noté. Tous les Pokémon pétrifiés ont trouvé leur liberté. Tous, mais alors ça veut dire que Entei l'a tué, c'est la tienne aussi. Et tous les villageois. Pépé est sauvé aussi. Je suis tellement contente. Mais je ne tiens plus debout. Et là voilà, elle s'effondre, elle meurt. Évidemment. Et regardez Ascro, oui, regarde la scène. Ça fait beaucoup d'émotions pour une seule journée. Il faut lui laisser le temps de récupérer. Vous êtes prêts, les amis? Rentrons! Cap sur Loliloville! Très bref apparition de Xerneas. Et ainsi, David et ses amis rentrèrent à Loliloville. La ville où Lies leur fit. Je pense que ça veut dire un accueil triomphal. Les retrouvailles avec les autres grands explorateurs furent des plus émouvantes. Le monde sauvé et l'euphorie gagna tous les cœurs. Quelques jours plus tard. Quoi, quelques jours plus tard? Sigrid, encore merci. Ton aide a été précieuse. Tout le plaisir était pour moi. Je n'avais nulle part où aller. Vous m'avez recueilli. C'est moi qui vous suis de redevable. En tout cas, bon retour à bon tranquille. Et bonne route à vous aussi, David et Sisa. Ouais. C'est gentil de nous donner des vacances. Merci, Pharaon. Passez de bon jour aux villageois pour moi. Pas de soucis. En route, mauvaise troupe! Au revoir, les potes! Faites bien attention à vous! Reposez-vous bien, revenez en pleine forme! J'ai des petits frissons tellement c'est super sympathique d'avoir cette ambiance de joie, de couleur! Ah, c'est tellement bien, les amis! C'est mérité tout ça! Ça fait plaisir, c'est mérité! C'est ainsi que la paix revint dans le monde des Pokémon! Nos héros s'arrangèrent avec Pharamp, le directeur des grands explorateurs. Et pris quelques jours de repos bien mérités. Et puis ainsi retourner à bord tranquille. Psy Gris qui rentre au pays chemina avec eux. Nos héros avaient beau savoir que les villageois étaient sains et saufs. Ils se faisaient tout de même du souci et avaient hâte de rentrer pour se rassurer. Et on route pour les vacances à bord tranquille. Ah là là, je me souviens quand j'ai regardé le ville d'ici pour la première fois. C'était comme le départ d'une grande aventure. J'ai l'impression que c'était il y a des lustres. Je suis tellement content que plus personne ne soit pétrifié. David, Sisa, laissez-moi vous le répéter. Merci d'avoir sauvé le monde. Tout de même, c'est étrange. David, j'ai appris que tu étais humain avant tranquille. Mais je ne me serais jamais douté que tu étais déjà venu.
Que ce vieux Pokémon, la Mew, c'est ça, que Mew t'avait appelé depuis le passé. Et qu'ensemble, vous aviez déjà vaincu la matière noire une fois. Ouais, c'est pas croyable. Lucien, quand c'est de bien raconter ça. C'était bien beau tout ça, mais je me souviens de rien, donc bon. Que tu te souviennes ou non, ça ne change rien. David, tu as accompli ta mission. Aujourd'hui, comme par le passé, tu nous as sauvés, alors que tout semblait perdu. Tu as empêché la fin du monde. David, tu es notre héros. Ne l'oublie pas. Bien dit. David, tu es mon héros. Je suis votre héros. Ah là là. Faut que t'en sois fier. Bombe le torse. Redosse la tête. Regarde comme ça. Cisa, arrête de faire cette tête. C'est horrible. Regarde la tête qui tirait. Ah, mais pourquoi? Merci, Psygré, toi aussi, Cisa. Mais une petite minute. D'après les histoires, je suis venu dans le monde des Pokémon par le passé. Après mon combat contre la matière noire, je suis retourné dans mon monde. Une fois ma mission accomplie, je suis rentré. Donc maintenant que j'ai la matière noire à disparu pour de bon, qu'est-ce que je vais devenir? Maintenant que ma mission est terminée, il va se passer quoi? La plus logique, ce serait que je retourne dans le monde des humains. Que je parte d'ici. Mais alors, je vais devoir dire au revoir à tout le monde. Eh bien, David, t'as pas l'air d'avoir la frite. Tu avais l'air absorbé dans tes pensées, ça va? Ouf! Si ça va, tant mieux. Rentrons vite, j'ai hâte de revoir tout le monde. Allons-y. Let's go. Me dis pas pour faire un donjon. Ah, cheminons par moi et par vous. Nos héros rentrera bon tranquille. Et ainsi. Bon tranquille, nous voilà. Ils vont avoir une sacrée surprise tous. Je suis sûr qu'ils s'attendent pas à nous voir. Oh, les amis, surprise, on est rentrés. Eh ben, mais y'a personne. What the fuck? Pourquoi y'a personne? Oh non, il se passe quoi? C'est quoi le délire? Je m'attends tellement à tout avec ce jeu. Mais y'a personne. Comment ça se fait? David, c'est ta petite Sigrid. Bon retour! C'est la surprise! Lourd! Coucou les amis! Comment vous saviez qu'on rentrait? Psy Tigri a vendu la mèche! Psy Tigri! Oh, c'est génial! Oh, j'adore ces émotions! On a décidé de vous faire une surprise! Alors, Psy Tigri, on a fait des cachotteries! Parfaitement! J'ai discuté avec Vivaldin et on a. Je trouvais que ce serait une bonne idée. Franchement, j'en ai mis les larmes aux yeux de retrouver dans ce village et tout. Ça fait vraiment bizarre! De toute façon, même si cette brave Psy Tigri ne vous avait rien dit, tout le monde aurait quand même fini pour l'apprendre. Ne vous estimez pas le réseau de renseignements de marché avec Leon. Toujours en train de faire sa pub lui. En tout cas, nous sommes très fiers de vous. Cela, grâce à vos efforts, le monde est sauf. Bouh, je suis tout ému. Mon éducation a porté ses fruits. Ou peut-être pas, ou peut-être que ces enfants sont bien de nature. Et les Isa, merci. Merci, je suis tout foufou. Que vous faites, vous, les niños? Eh, on de vous le dire, mais je ne croyais pas en vous. Et me prenez pour les petits niños, pardon. Et muchas gracias. Merci. Merci du fond du cœur, mes petits. Les amis. Oui, plus pétrifié. Je suis tellement contente. En fait, oui, monsieur Pifeuille. Pifeuille? Hein? Il est revenu? Oui, discrètement, il n'a pas fait de vagues. Enfin, ce que j'avais entendu dire. Mais je ne le vois pas. Il s'est éclipsé. Pépé! Il s'est excusé auprès de tous les Pokémon du village, mais il a trop honte pour se montrer devant David, donc il est parti faire un tour. Oh non! Monsieur Pifeuille regrette amèrement ses actes. Nous avons donc décidé de ne pas lui en tenir rigueur. Oui, et il était manipulé depuis le début, ce n'était pas de sa faute. Il avait trop honte pour se montrer devant toi pour le moment, David. Mais il a dit qu'il reviendrait, tôt ou tard. Il tenait à ce que je te le dise. Après tout le temps, efface toutes les blessures. Laisse-lui le temps. Pifeuille. Pépé, ça va? T'as rien? T'es plus pétrifié? Ah si, bon, regarde, c'est encore plus pétrifié derrière. Ma langue est encore pétrifiée. Je vais dire, mec, oh non, un petit temps d'être pétrifié. Puis un petit problème au bras. J'ai été mal dépétrifié. Ça va? T'as rien? T'es plus pétrifié? Pétrifié? Si tu savais comme j'étais inquiète. Oui, je vais bien. Je me disais, tout ce temps que tu avais que chez moi, je ne t'ai jamais félicité. J'ai honte de moi. On n'est peut-être pas liés par le sang, mais tu es ma petite chippie. Tu es super, Cisa. Merci pour tout. Pépé, mon pépé. Ouais, Cisa. Sniff. Hey, mes gosses, c'est le moment de faire la fiesta pour nos héros. La la la. C'est la fiesta. On n'a pas vraiment un petit générique de fin, là. Le village réservera un accueil chaleureux à ses héros. Ivre de joie devant la paix retournée, les villageois débordaient de questions. Tout voulait connaître les détails de la bataille. Ainsi, tous les villageois se retrouvèrent dans la maison de Négapagos. Et Cisa leur fit le récit de l'aventure. Et donc, David était déjà venu, il y a très très longtemps.
Ils s'est battu aux côtés d'un Pokémon nommé Mulpare. Et après leur bataille, après la bataille noire, il y avait un truc avec les étoiles, l'alignement des étoiles. L'alignement des étoiles. Oui, c'est ça, l'alignement des étoiles. Et bon, bref, le lieu entre la matière noire et l'alignement des étoiles. C'était quoi déjà? Courage, Signia. Les discussions animées se poursuivent tard dans la nuit au milieu des rires. Et tout se passe à une soirée inoubliable. Et bien, des heures plus tard, une fois tout le monde parti, David n'ayant pas passé. Et pas envie de passer la nuit dans la maison des arbres de pifeuille, décidait de rester avec Sisa. Il passe donc la nuit chez Megapagos. Et cette nuit-là, se créa un mélange de Riolu et de Salamèche. Non, je... Cette chambre, ça faisait longtemps. Allez, les lits sont faits. On a quand même bien rigolé aujourd'hui, David. Mais ça m'a crevé de parler tout le temps. Je crois que je vais pas dormir. À mon avis. Bonne nuit. Dites-moi si quelqu'un a baillé pendant que j'ai baillé pour faire ça. Sisa est sur les rotules. Elle a raison, on a bien rigolé aujourd'hui. Si seulement ça pouvait continuer comme ça tous les jours, passer mes journées avec Sisa et tous les Pokémon de ce monde, je me demande bien quand je vais repartir d'ici. Je me souviens pas de ce qui est arrivé la dernière fois, donc ça ne l'aide pas. Je suis fatigué moi aussi. Je vais me coucher. Je vais me coucher. C'est vrai. Je ne sais pas quand je partirai, mais la vraie question c'est est-ce... Ai-je seulement envie de partir? Mais non, on n'a pas envie de partir mon pote. Moi j'aimerais bien rester ici. Je vais rester ici avec Sisa et tous les autres. Oui, je vais rester dans ce monde. Je dois trouver un moyen de rester ici. Et le bien le bon. Demain je cherche. Je cherche le moyen. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, je sens que je dis c'est mon jour. Mais on écrase. Je vais quand même pas le réveiller. Je sais, je vais aller faire un petit tour toute seule. Tiens, c'est quoi cette lumière? Ça descend vers la colline en grand, au grand arme. Pépé, ouais, pépé. Il se passe quoi encore? À chaque fois j'ai peur, gros. On se réveille au calme? Hein? Si ça n'est pas là. Où t'es passé? La 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 la. Alors. Bonjour mon petit David. Tu devais être vraiment fatigué. Tu as dormi 2 ans comme une souche. Non, je rigole, comme une souche. Tu cherches Isa? Elle m'a dit de te prévenir, elle t'attend sur la colline au grand arbre. Sur la colline au grand arbre. Ah, que de souvenirs. Je vais retrouver le spa. Excusez-moi, je vais être travers. Là, tu vois, c'est la petite pause où je dois boire. Tu vois, au pétillant, j'adore ça. Ça fait plaisir. Tu connais. C'est pas pour beaucoup. Voilà. Alors. La colline au grand arbre. Mais n'empêche, ça fait bizarre. Hein. J'espère que ce display n'est pas fini. Mais j'ai encore envie de jouer. Et il y a encore plein de missions à faire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on continue à faire ce jeu. Moi, j'ai bien envie de le continuer. Je me dis, bah, c'est cool, on se retrouve tous les jours, tu vois. C'est ça. Ah, David, bonjour. Regarde les nuages. C'est reposant. Ouh là là, ça a craqué. C'est vrai. Ça me fait penser à la dernière fois qu'on a regardé ces nuages. Ici c'était pareil, tu te souviens? Je te connaissais à peine. Et ici sans déconner, je t'ai rencontré mes rêves les plus fous. C'est ici aussi que je t'ai donné ton fouleur de l'amitié et que Pharaon nous a ton équipement d'apprenti explorateur. C'est encore ici qu'on a pris la décision de quitter le village. Cet endroit est plein de souvenirs pour nous. C'est vrai, tant de souvenirs. Il faut dire que l'endroit est agréable avec la douce brise qui souffle. Oh, j'ai tellement envie de rester dans ce monde. C'est décidé. C'est ça. David Racoalcida s'écrase au sujet du sang qui l'attend. David! Maintenant que sa mission dans le monde de Pokémon est terminée, David pense qu'il va bientôt revenir dans le monde des humains. Et David veut rester ici dans le monde des Pokémon. Il veut donc trouver le moyen de rester. David se confie à Sisa. En fait, ce que je veux vraiment, c'est rester avec toi, Sisa. Pour toujours. Et ouais. Merci. Ça me touche, David. Sisa? David, tu veux savoir pourquoi je suis venu sur la colline? J'ai vu une lumière qui tombait du ciel. Cette lumière, c'était Xerneas. Xerneas, il était venu pour me trouver, pour m'éveiller. Pour t'éveiller, il m'a rappelé notre promesse. Et au départ, je ne comprenais pas, tu vois. Je me demandais bien ce que pouvait être cette histoire de promesse. Mais j'ai tout compris quand Xerneas m'a effleuré avec ses bois et je me suis souvenu de tout. David, en fait, je suis Mew. The fuck? Putain, j'en peux plus, gros. Quoi, Mew? Vraiment? Oui. Quand Celebi a dit que
que ces batailles étaient la mienne. Ça m'a paru logique, je n'ai plus hésité après ça. Mais je ne comprenais pas exactement pourquoi. Tout est devenu limpide quand j'ai touché les balles examinées. Je suis la réincarnation de Mew. La réincarnation, on se connaissait déjà avant. Lors de la dernière bataille, la matière noire nous aurait été stoppée grâce à l'alignement des planètes. Ce qui s'est dit, en fait ce n'est pas ça. Ta force est celle de Mew combinée, on s'est dressé à moins que la matière noire. Mais ça n'a pas suivi à l'anéantir. Là, elle est là, encore constituée la matière noire, se sont répandues à travers le monde. Et petit à petit, au fil de la fil des âges, elle s'est reconstituée la matière noire, savait qu'elle renaîtra à notre époque. La bataille s'est soldée par une défaite, en fin de compte. Mew a... J'ai échoué. J'étais bien décidé à corriger cet échec. J'ai donc décidé d'envoyer mon âme dans le futur. C'est pour cela que je me suis réincarné sous cette forme. C'est du délire. Si tu as perdu tes souvenirs, ce n'est pas causé d'être âme. David, ayant que tu n'arrives dans le monde des Pokémon, je me suis chargé, Mew s'est chargé de les effacer. Avec ton accord, bien sûr. C'est ainsi que tu arrives dans ce monde. J'étais d'accord pour que mes souvenirs soient effacés. Nous avions mis en place des démons pour nous aider. La lumineuse, par exemple. Malheureusement, l'ennemi s'était déjà joué de nous. Les choses semblaient bien mal parties. C'est de la matière noire. C'est l'annoncement des sentiments. Ouais. Une part de cette négativité était aussi tapie dans le cœur de Mew. Ouais. C'était pour qu'il me se pardonne à elle-même. Et je savais qu'à l'instant même où je pardonnais à la matière noire, je savais que je devrais disparaître aussi. Car je la portais en moi. Ce n'est pas toi qui as décidé de disparaître de ce monde, David. C'est moi. Il vient de faire mal que Jackson, gros. Il a fait ça, regarde. Lala. Non, il a fait comme ça. Mal que Jackson, gros. César. J'avais demandé une faveur parce que tu vois, vois-tu, j'étais censé disparaître à l'instant même où les bois d'exanias me frôleraient. Mais je voulais juste avoir le temps de discuter avec une dernière fois. Maintenant, je veux bien disparaître. Je suis content de t'avoir vu une dernière fois. C'est étrange, je suis Mew, mais pas complètement. Je suis aussi Cisa. Je ne suis plus exactement le Mew d'antan. Quelque chose a changé en moi. Mew s'est réjoui que cette tâche s'est accomplie. Cisa, par contre, je suis un peu triste que tout s'arrête avec que j'ai pu réaliser mon rêve entier. Et puis, ça me brise le cœur de voir me séparer de toi. Sniff la vie, tu sais, je n'ai pas envie de te quitter, pas du tout. J'aurais voulu rester toujours avec toi, mais... En fait, tu auras pas tout un jour, en fait. Mais je n'ai pas le choix. Non, la lumière, Cisa. Je n'ai plus le temps, laisse-moi te dire une dernière chose. Les Pokémon du monde s'entraident et vivent ensemble en acceptant leur prochain tel qu'il est. Moi, j'étais un peu égoïste, je ne l'avais pas compris. Mais toi, David, c'est toi qui m'as appris à vivre. Par et pour les autres, merci. Cisa. C'était super. J'ai pu poursuivre mes rêves, mon rêve. Je t'ai rencontré, David. J'ai une bonne vie. Cisa, attends. Merci pour tout. Tout ça, c'était grâce à toi. Mais non. Arrête. Holy shit. Non, mais t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Tu me connais. Je garde toujours le moral. Rien de m'abat. Alors, fais-moi une promesse, David. Ne pleure pas, d'accord? Non, non, Cisa, ne t'en va pas. Non, non, non. Cisa, je ne veux pas. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Non, est-ce que jamais c'est avant le père et mémoire. Je le savais que ça allait se terminer comme ça, mais j'ai quand même essayé de venir pour sauver le monde des Pokémon et surtout pour Cisa. Oh, cette scène. Oh, c'est tellement épique. Ah, sa mère, j'ai mal ici. J'ai mal au cou, gros. J'ai mal au cou. Ok, on est solo. On est solo. Est-ce qu'on peut se relever là, non? Voilà, ok, c'est fini. Madame, mais attendez. Pourquoi je peux rien faire là? Ouh, le staff crédit à barre rouge, blah. Bon, moi j'ai fini déjà avant qu'ils sortent en France. Fuck that shit, man! Est-ce qu'on peut passer plus vite? Ok, bon. Bah écoutez. C'est la fin de ce let's play. Mais est-ce qu'il va y avoir une suite? Je ne sais pas. Je comptais rester avec Cisa, mais apparemment Cisa s'est barré. Du coup, je ne pense pas qu'il y ait une suite à ce jeu. Alors, je comprends pas pourquoi il restait plein de missions. Peut-être que c'était pour Resugren, comme expliqué à NT, retourner sur l'île des Béquipans, je sais pas trop quoi.
quand on avait besoin. Donc en fait, c'est peut-être réellement la fin du jeu. Donc écoutez, si vous ne voyez pas l'épisode demain, c'est que c'est la fin. Voilà, tout simplement. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir se déplacer dans le jeu ? Faudra recommencer une partie, je ne sais pas. Je ne sais pas, mes amis. En tout cas, c'est vachement stylé devant Xaneas. Je le sais un petit peu. Bon, Xaneas a remis la mémoire à Sisa. Sisa était donc Mew. C'est assez flou, bon. C'est un petit peu flou. Oh. On va pas se cacher. Mais bon. C'est vachement pas mal. C'est vachement stylé. Vachement pas mal. Excusez-moi, c'est vachement stylé. Moi, j'appréciais. Des fois, il y avait des morales que j'aimais pas trop dans le jeu. Je vais pas vous cacher, je l'ai dit. Après, bon, je trouve que la fin était difficile. Il y avait peut-être d'autres techniques. Sinon, le jeu en lui-même est pas mal. Bon, il aspire plutôt vers la négativité. J'aime pas trop ça, mais. Tu vois, je suis quelqu'un plutôt joyeux, tu vois. J'aime pas trop les sentiments négatifs. C'est contre moi. Mais bon, écoutez. C'est comme ça que ça se finit. C'est comme ça que ça se finit. Si l'aventure était comme ça, l'aventure était comme ça. C'est un jeu bien sympathique. Content d'avoir fini ce jeu. Sans vous mentir, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait que un mois que ça a commencé. Et. Bah voilà, quoi. C'est pas comme Rumble World où ça fait 8 mois que ça dure, tu vois. Là on a fait quoi, 30 épisodes. Grand Beyond on a fait 100 même. Donc voilà, c'est vrai que bon, bonne aventure, vous avez bien suivi Let's Play, ça m'a fait super plaisir. Merci à vous, c'est voilà, grâce à tous vos commentaires et tout, ça fait ça m'a fait super plaisir. Puis bah donc là je pourrais lire les commentaires des derniers épisodes parce que j'arrive, on arrête pas de me spoil. Et écoutez, bon on va se laisser là. Je vais vous laisser le mystère de vous quitter pendant le générique et de savoir s'il va se passer quelque chose après. Parce que peut-être qu'il se passera quelque chose après. Je ne sais pas. Pour moi, je pense. Ou soit vraiment le jeu se finit comme ça et c'est pas si mal non plus, mais. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, les amis, bah, écoutez, j'espère que ce let's play en général vous aura plu. Mes pétages de câble, mes rires, mes bugs de voix. Ainsi de suite. Le début du jeu avec Cisayoxi. Le piment challenge, c'était cool. Un let's play un peu. Bon, en tout cas, l'aventure. Hein. Un peu bordélique pour ma part. Mais. Je sais pas. J'ai bien aimé. C'était un bon let's play. J'ai apprécié. Moi, j'ai besoin de vous dire tout ça, je sais pas pourquoi. Je fais que 30 épisodes, mais je sais pas. J'ai besoin de vous le dire, tu vois. Je me sens pas trop à la fin de ce let's play. Enfin bon. Bon les amis, écoutez, c'est fini. J'espère que en tout ça vous aura plu. Donc peut-être à demain pour un nouvel épisode de Pokémon Mega Dungeon Mystère. Je n'y crois fortement pas. Mais vérifiez quand même demain à midi. Et non, demain à 11h. Parce qu'on sera samedi. Ouais. Je sais plus, gros. Je dors plus à force de plus dormir. Je sais pas, mais enfin bon. Enfin bon. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et là-dessus les amis, on se dit à très bientôt. Bye bye.